Route à Saintes que nous présentons Canal 20 numéro 8. Ce numéro sera encore largement consacré à la Citroën XM. Philippe Lacomblaise nous parlera du moteur V6. Nous assisterons au montage de l'alarme Texalarm, spécialement utilisée pour ce modèle. Après une page de publicité, faut pas nous gonfler, c'est le thème de la campagne, nous continuerons à étudier le nouvel outillage Citroën XM et nous terminerons comme d'habitude par Météo 20. Ce n'est pas par hasard si nous nous trouvons aujourd'hui dans les locaux de Jean Hardon, concessionnaire de Saintes et Royan. En effet, ici, on pratique la synergie, c'est-à-dire que tous les services agissent et communiquent dans l'intérêt commun. Merci à Canal 20 d'avoir choisi notre concession comme lieu d'enregistrement. Comme le disait Brigitte, ici, on pratique la synergie. En effet, une opération Citroën, suspension, a eu lieu il y a quelques temps, qui devait nous faire vendre de la main-d'œuvre et des pièces. Ce fut un franc succès. Les pièces de rechange ont vendu sphère et amortisseur, et l'après-vente a vendu sa main-d'œuvre. Bernard Bouchereau, cette opération pot d'échappement, c'est aussi une opération commune à d'autres services, non? Bien sûr, mais c'est une information de la clientèle qui croit à tort que Midas et d'autres sont plus performants que nous, alors que nous pouvons faire mieux et moins cher. Je vois que vous avez un atelier de tôlerie très important, où il semble que vous répariez une très bonne proportion de modèles étrangers. Depuis 1986, je visite régulièrement mes agents, les MRA, les concessionnaires d'autres marques. Je leur propose mon travail au point de vue tôlerie-peinture. J'insiste sur les délais de réparation, la qualité du travail, la voiture relais. J'envoie régulièrement mes gens en stage tôlerie et peinture. Ces gens sont très performants. Et à votre avis, qu'apporte Canal 20 à votre travail et à celui de vos collaborateurs? Canal 20, pour nous, c'est très important, si vous voulez. C'est la communication entre l'usine Citroën, le constructeur et nous-mêmes. Canal 20 nous apporte des documents techniques, sensibilise les gens qui travaillent dans l'atelier, ce qui contribue à une très bonne marge de l'entreprise. Dany Texier, je vois que vous entreposez des sphères. Pratiquez-vous une info particulière au niveau de la garantie 3 ans? Oui, nous faisons savoir cette garantie 3 ans à l'aide des bordereaux de livraison des pièces de rechange auprès de nos patentés de l'automobile. Et qu'avez-vous fait de spécial au Père à Saintes cet an dernier? Ce que nous avons fait de spécial, nous avons monté ce libre-service qui a une surface de 90 mètres carrés. Et il y a quelque chose de commun avec les pièces de rechange de l'atelier, c'est que nous avons mis une caisse commune qui nous permet de vendre certains produits quand le client vient payer sa facture atelier. Maintenant, Philippe Lacomblaise va nous faire découvrir le cœur de la Citroën V6. Je vais vous parler du moteur 6 cylindres équipant l'XM. Les principaux atouts de ce nouveau moteur sont son couple important à bas régime, source d'agrément et de confort, sa compacité grâce à l'adoption d'un collecteur d'admission à simple volume alimentant les deux rangées de cylindres. Mais attardons-nous quelques instants sur quelques points particuliers. Le vilebrequin à maneton décalé de ce moteur 6 cylindres en V à 90 degrés permet d'assurer un allumage régulier tout en assurant un couple optimum. Toutefois, pour combattre les vibrations que pourrait engendrer ce décalage, un arbre d'équilibrage est implanté sur la culasse avant. L'ensemble est composé d'un arbre solidaire à chacune de ses extrémités d'une masse. Le pignon d'arbre à cames entraîne cet arbre via une chaîne. Le couple ainsi produit annule celui provoqué par les manetons et assure un fonctionnement régulier du moteur. Sur chaque culasse, on remarque des poussoirs hydrauliques, assurance de sécurité et de confort. Sécurité, car le rattrapage des jeux est assuré en toutes circonstances par la pression d'huile du moteur, et ce, sans réglage. Confort, car le fonctionnement du moteur est silencieux en toutes circonstances. Le circuit d'eau n'est pas oublié. La pompe à eau est directement intégrée au moteur. Les liaisons sont assurées sans collier ni durite. Toujours sur la Citroën XM V6, nous allons vous parler de l'allumage et de l'injection. Le dispositif d'allumage et d'injection est principalement constitué d'un seul calculateur. Ce calculateur reçoit les différentes informations des divers capteurs. Le capteur régime fixé sur le carter d'embrayage et le capteur pression fixé sur le tablier sont les deux principaux informateurs du calculateur. Toutefois, d'autres informations sont nécessaires. La tension batterie, la mise en action du démarreur,
l'information anti-démarrage codé, la température de l'eau, la température de l'air admis, la position du papillon, la mise en action du climatiseur, la présence ou non de cliquetis et la teneur en oxygène des gaz d'échappement. Le calculateur commande la pompe à essence qui est immergée dans le réservoir. L'essence passe au travers du filtre, arrive à l'amortisseur de pulsation, se répartit dans les deux rampes d'injection. L'excédent d'essence retourne au réservoir au travers du régulateur de pression qui est commandé par la pression régnant dans la tubulure d'admission. Le calculateur détermine le temps d'injection et l'allumage. L'allumage est généré au travers du module, de la bobine, du répartiteur et des bougies. Le calculateur commande d'autres actionneurs. Il commande l'électrovanne de ralenti et gère ainsi le fonctionnement du ralenti. Selon la réglementation, il commande des électrovannes de canistère et donne aussi des informations contour et ordinateur de bord. En ce qui nous concerne, deux points importants sont à noter. Premièrement, la possibilité de fonctionner en mode dégradé. Ainsi, si un incident apparaît, le véhicule pourra retrouver un fonctionnement presque normal après quelques instants. Deuxièmement, la possibilité de mémoriser une anomalie permanente ou fugitive qui pourra être décodée grâce à l'appareil 4097T. Pour cela, contact coupé, commutateur en position 1, brancher le faisceau sur le connecteur vert, alimenter l'appareil, pince noire à la masse, pince rouge au plus, mettre le contact, appuyer sur le bouton vert. On lit le code 12, puis rappuyer sur le bouton vert. On lit le code 13, on rappuie sur le bouton vert. On lit le code 34. On rappuie sur le bouton vert. On lit le code 11. Le code 11 correspond à la fin de séquence. Ceci veut dire qu'il n'y a plus d'incident en mémoire dans le calculateur. Le code 13 correspond à la sonde de température d'air. Effectivement, la sonde de température d'air n'est pas branchée. Le code 34 correspond aux électrovannes de canistère. Et ce code, en fin de compte, n'est pas un défaut, puisque ce véhicule n'est pas équipé de canistère, et le calculateur peut mémoriser le code 34 en cas d'absence d'électrovanne de canistère. Certains vendent des sphères bon marché, d'autres les regonflent. Seuls, les véritables sphères de suspension d'origine sont fabriquées par Citroën et vendues par DPR, avec une garantie de 3 ans. La XM, c'est le look, le V6, 4,70 m de bonheur hydractivé, de quoi tenter bien des gens. Aussi, pour dissuader d'éventuels emprunteurs, Texalarm a trouvé la parade. L'alarme électronique est aujourd'hui un objet de consommation courant, très sophistiqué, et qui demande un niveau de qualité de fabrication irréprochable. La pose de ce produit doit être à l'image de sa technicité si l'on veut donner satisfaction à l'utilisateur. Et maintenant, nous allons vous proposer la pose d'une alarme sur une Citroën XM V6. L'endroit choisi est ici, à l'avant-droit. Nous commençons par déposer les relais et débrancher le relais hydractive afin de pouvoir travailler portes ouvertes. Pour fixer la centrale d'alarme, il est nécessaire de percer deux trous à l'avant du passage de roue. Pour cela, utilisez le gabarit de perçage. Pour positionner le faisceau de raccordement, l'éclatement se fait sur trois directions, conformément au code couleur de la notice de montage. Le raccordement des deux clignotants, ainsi que le branchement batterie, se font à l'avant gauche. La coupure d'alimentation se fait sur le relais de pompe à essence.
Tous les autres fils se connectent dans l'habitacle. Toutes les connexions sous le capot moteur doivent être réalisées à l'aide de raccords étanches. Le contacteur de protection d'ouverture au capot doit être réglé avec précision. Ne pas oublier de relier l'embase à la masse. Derrière la boîte à gants se trouve la totalité des raccordements à effectuer. Détection périmétrique, volumétrique et verrouillage de porte. Le LED de présence d'alarme doit être visible, c'est la première dissuasion. Les détecteurs volumétriques à ultrasons sont placés de part et d'autre de la planche de bord. Et ben voilà. Ça marche. Ah, n'oubliez pas de demander votre service Voltex. Avant de vous parler des connexions étanches, je tiens à revenir à notre dernier magazine. Bien entendu, je sais que vous avez tous remarqué, dans la séquence sur l'échange des plaquettes, que le piston de frein n'avait pas été repoussé d'une façon tout à fait normale. Effectivement, si la poignée sert à bloquer l'outil, la sortie du piston s'effectue à l'aide d'une clé, comme nous pouvons l'observer. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un nouvel outillage concernant les connexions étanches. Alors, Jeanne Morblin, nous avez apporté une jolie petite mallette 9001T. Que contient-elle? Voyons. Eh bien, elle contient tout le matériel permettant de réaliser des connexions étanches. Ah bon? Les manchons, une pince pour les sertir, une pince à dénuder. On dirait un sèche-cheveux. On l'appelle aussi comme ça. C'est un pistolet à air chaud. Sur la Citroën XM, nous trouvons ce type de connecteur. Les fils sont noyés dans la résine pour assurer une parfaite étanchéité. Ah, ouais. Lors d'une intervention sur le circuit électrique, il est indispensable de conserver cette étanchéité. Pour cela, nous utilisons ces fameux manchons. C'est bien beau, mais comment fait-on? C'est très simple. J'ai un fil à raccorder. Il faut d'abord le dénuder sur une longueur bien déterminée. 8 mm pour ce type de manchon. La pince est graduée. Je prends un manchon correspondant et je le pose sur le fil à raccorder. Il nous reste à le sertir. Un manchon bleu. Repère bleu sur la pince. Je serre à fond, ça s'ouvre, c'est bon. C'est bien beau, l'étanchéité. Là, je prends le pistolet à air chaud, je chauffe le manchon, la gaine se rétracte en assurant une parfaite étanchéité. C'est aussi simple que ça. Canal 20 numéro 7 ayant été entièrement consacré à la Citroën XM, je n'ai pas pu vous présenter les résultats du contrat Plus à fin avril. Je vais donc vous en dire quelques mots aujourd'hui. Sur l'ensemble de la France, contrat Plus est arrivé à 6,49% au cumul à fin avril, avec une performance assez bonne de 9,66% pour le mois d'avril seulement. Les 10 meilleures concessions et succursales du mois d'avril au cumul sont les suivantes. Romans, direction régionale de Lyon, a réalisé 73,96%. Romilly, sur la direction régionale de Nancy, a réalisé 66,06%. Joigny, sur Île-de-France, 52,09%. Carpentras, des Herbes Marseille, 39,92%. Douai, direction régionale de Lille, a réalisé 36,78%. Béthune, sur Lille, toujours, 28,97%. Rochefort-Montagne, direction régionale du Centre, a réalisé 28,78%.
Marseille Plombières, direction régionale de Marseille, bien sûr, 25-71. Enghien, direction régionale de Paris, 25-21. Et Marmande, direction régionale de Bordeaux, 24-64. Plus globalement, 42% des concessions et succursales ont déjà dépassé 6% au cumul à fin avril. 23% d'entre elles ont dépassé 8% et 16% ont déjà dépassé 10%. Voyons maintenant les résultats du contrat plus au mois de mai. La moyenne France des ventes de contrat plus au mois de mai est de 9,59% contre 9,66% au mois d'avril. On note donc une légère stagnation, voire même une légère régression des résultats des ventes de contrat plus entre avril et mai. Le résultat au cumul entre avril et mai passe de 6,49% à 7,19%. Donc on continue de progresser, mais moins vite qu'entre mars et avril. Parmi les 10 meilleures concessions et succursales au mois de mai, nous retrouvons Romans sur la direction régionale de Lyon, Remilly sur Nancy, Joigny, Île-de-France, Carpentras sur Marseille, Manosque qui fait son entrée dans le groupe des 10 meilleurs au mois de mai avec 36,47%, Rochefort-Montagne, DR du Centre, Béthune, DR de Lille, Douai, DR de Lille aussi. Nous retrouvons Istres qui fait son entrée dans le groupe des 10 meilleurs sur la direction régionale de Marseille avec 28,47% des ventes de contrat plus. Et nous retrouvons Chelles enfin, nouveau aussi dans le groupe des 10 meilleurs sur la direction régionale de Paris avec 24,63% des ventes. Plus globalement, 49% des concessions et succursales ont dépassé 6% de ventes de contrat plus au cumul à fin mai. 31% ont dépassé 8%. Et 21% ont déjà dépassé 10%. Ainsi, 2304 contrats plus ont été vendus en mai. 9248 depuis le début de l'année. Mais attention, malgré les très belles performances des directions régionales comme Lyon à près de 17%, ou Marseille à plus de 15%, ou Toulouse encore, Toulouse qui a fait progresser ses résultats entre avril et mai de plus de 70%, il reste quand même 20 752 contrats plus à vendre avant la fin de l'année en 7 mois. Avec la Citroën XM, nous découvrons une clientèle exigeante qui attend de nous un service efficace. Cette carte, jointe au dossier client, permettra de ne rien oublier et de rendre un véhicule bien contrôlé où tout a été révisé, plein fait et lavage effectué. Ce magazine numéro 8 est maintenant terminé. En compagnie de toute l'équipe de Canal 20, je vous souhaite de très très bonnes vacances avec un soleil aussi formidable qu'aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous début septembre pour un nouveau magazine spécial XM.